denk wat er speciaal is, zijn de wegen, de historie van, het, van de rally. Het heeft een fantastische historie. Het feit dat er hier een aantal kenjers mee rijden, die, ja, waar wij ons niet willen mee meten. We meten ons mee onszelf. Maar we hebben toch zo'n beetje een heel stille hoop dat we daar in de schaduw van kunnen rijden. C'est vraiment de la régularité, donc on doit avoir vraiment un équipage très homogène, copilote et pilote, plus que des notes en rallye de vitesse. Donc il faut par moment aller vite, mais pas souvent. Rester sur la route et alors c'est du parcours secret, donc la nuit, ben, ne pas se tromper. If we can do well in our class, then we will be happy. But to win overall on this kind of event is very, very difficult. You know, the Belgium crews in their big Porsches are very hard to beat. Je sais qu'on va à Braine-le-Comte. Je sais qu'on va faire 267 km ce soir. Et bon, on espère d'être là demain matin. Très content de tout le déroulement en général, mais j'ai très apprécié la première spéciale de ce matin au pied des éoliennes avec un peu de terre et il y avait des spectateurs, des photographes, donc pour le plaisir de conduite, vu que je suis pilote aujourd'hui et que c'est la première fois que je le fais, j'ai vraiment pris mon pied à la première RT de la journée. Au niveau de l'atmosphère, il y a pas mal de têtes connues, de gens qu'on croise sur des rallyes, que ce soit en Belgique ou en France ou autre, donc c'est une grande famille les rallyes, donc très bonne sportivité, du fair play, pas de soucis, on peut pointer démarrer quand on veut, donc il n'y a pas de fil, pas de gens qui veulent s'interposer, c'est très sympa. In het begin is dat zeer moeilijk om het systeem even door te hebben, maar het begint eigenlijk beter en beter te gaan. Je moet zo geconcentreerd rijden, je moet je snelheid in doog houden, je moet je meters in doog houden, maar het blijft ook openbare weg. Dus we moeten ook het andere verkeer mee in doog blijven houden. Het is zeker geen evidentie. It's wonderful. It's the first time I've done something quite like this. I've done an awful lot of regularity rallies back in the UK. But this is, yeah, all a bit different. But no, it's a very well organized event, very slick. We have both competed on the stage rally, on the EPA stage rally, so it's quite good to be going along and all of a sudden realize that you're on a stage and you sort of remember it. And then, of course, you get carried away and forget the pace notes. Thank you.
ça a été le suspense jusqu'à la dernière spéciale. Mais voilà, on a fait le travail et on a gagné. C'était notre souhait le plus vif. I've done the Eep stage rally about 10 times since the mid-90s. So I love the roads around here and coming to Eep as well. So the roads were fantastic. They kept me very busy. Het is een leuke sfeer. Het doet eigenlijk veel denken aan de rally van Eep zelf. Iets minder stress. We hebben s'avonds tijd voor een pintje te drinken. Maar ik heb ervan genoten. Ik ga dat waarschijnlijk wel nog een keer doen. Ja.